Oui, voilà, madame. Son nom de commerce, c'est protectif. Vous avez pu avoir à la télé, comme il y a un peu qui montre ça. Mais là-bas, vous ne pouvez pas se dire comment est-ce qu'on en tire. Donc, quand vous achetez, il y a son prix au-dessus de 100 francs. Quand vous achetez, si en se tenant, vous retirez. Vous regardez, vous ouvrez l'angle, vous allez voir la date d'expiration et la date de fabrication. Quand on le fabrique, il a 3 ans de vie. Après ces 3 ans, c'est terminé, on ne peut plus. Et donc vous vérifiez si c'est encore bon. Vous payez l'argent. Si ce n'est pas bon, vous demandez au milieu de changer. Après cela, quand vous arrivez à la maison, vous voulez utiliser. Il faut laver proprement les mains. C'est seulement à la maison qu'on utilise. Même en dehors de la maison, ça dépend de votre position. Est-ce que vous voulez vous préserver? Oui, bien sûr. Oui. Si vous, n'importe où vous voulez utiliser, vous devez être, prendre soin de votre. Donc, vous regardez ici. À l'angle gauche se trouve une flèche qui indique là où on doit déchirer. Même si vous ne voyez pas, vous tapez comme ceci, vous allez ressentir l'endroit où vous ouvrez. C'est comme ceci que le préservatif, le protectif se trouve à l'intérieur. Ça a 3 parties. L'anneau interne et l'anneau interne. Et le corps de ça. Nous les femmes, puisque ça concerne les femmes, c'est la femme qui doit enfiler. Oui. Ah bon? Donc, on peut nous, avec non. Nos ongles artificiels, en retirant, retirons par l'anneau. Parce que si nous touchons le corps, ça va se perdre. Ça ne sera plus bon. Maintenant, pour insérer, vous allez pincer l'anneau interne sous forme de 8, du chiffre 8. Et comme ça, ça facilite l'insertion. Pour insérer, pratiquement sur vous, vous choisissez la position qui vous plaît. Soit vous vous placez à côté du lit comme ça, vous soulevez un pied, vous enfilez. Soit vous prenez cette position. Soit vous prenez la position couchée sur le lit avec les pieds posés. Comme quand vous voulez envoyer l'ovule. Oui. Pratiquement sur ce vagin artificiel, je vais vous montrer. Quand vous faites comme ceci, à ce niveau, le seul doigt, la seule main qui ne peut pas arranger ça, qui est dans le vagin. Et ayant déjà touché ici, ça a sûrement touché les sécrétions vaginales. Donc les doigts se sont déjà infectés. Vous devez prendre l'autre main, le plus long doigt de l'autre main qui n'est pas encore souillé pour arranger à l'intérieur. Et quand vous arrangez à l'intérieur, c'est comme ceci que ça se présente. L'anneau interne part couvrir le corps de l'utérus, l'entrée de l'utérus. Et vous êtes déjà protégé. L'anneau externe se rabat comme ceci sur les petites lèvres. Et c'est vous qui allez conduire le partenaire de la fille. Même si le petit comme si son doigt là. Pardon? Ah, vas-y. Vous allez conduire votre partenaire. Parce que vous savez qu'en ce moment-là, ce moment d'état, il peut-être, si vous laissez qu'il parte seul, il peut rater la voie. S'il rate la voie, ça se soulève et ce que vous ne souhaitez pas que ça entre, ça passe. La roue n'est jamais cassée. Donc vous avez intérêt de le conduire à l'intérieur et vérifier que le protectif est en place. Et après l'acte sexuel, vous prenez comme ceci 2 fois, vous le tirez. Et vous enveloppez dans quelque chose que vous jetez là où l'enfant ne peut pas passer. Parce que vous-même, vous pouvez imaginer si l'enfant voit, bon, il va dire que j'ai pris mon gonflet. Peut-être étant encore couché, il va vous dire, maman, maman, voici mon gonflet. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de jeter votre. Et si vous mettez dans la poubelle, le chien va amener ça à la maison.